Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la 22e partie de Pokémon Unbound. Nous sommes dans la ville de Poldertown, toujours hein, avec toute cette ambiance marécageuse. J'ai fait un petit tour, hein, c'était pas très long. En résumé, c'est quelle personne elle danse pour pouvoir invoquer Meloetta, parce que s'ils dansent assez, voilà, ils vont, Meloetta va venir. Dans cette maison, j'ai eu cette dame qui nous demande d'avoir un Pokémon qui connaît Tif, qui connaît Larsin. Elle nous dit, elle nous a donné une mission qui dit qu'il faut qu'on ait toutes les CT. Voilà, elle nous donne une récompense. On a un papa qui a sa petite fille qui est dans le coma parce qu'elle a regardé trop de télé. Donc il faut qu'on trouve un scientifique qui connaisse des choses sur le cerveau. Et voilà. Voilà, rien de plus. On va pouvoir aller effectuer cette arène. Alors, est-ce qu'on le garde? Ouais, on va le garder. Si on fait des combats, ça le réveillera un petit peu. On va mettre Raptor devant. Je pense que ce sera de type poison, cette arène. Ce qu'il nous faut la faire, puisque pour accéder au Crystal Peak, j'en rappelle, puisque c'est notre destination au final, hein, là où se trouvent les Light of Wound, eh bien, il nous faut le badge de cette arène. Alors, futur champion, comment ça va? Bienvenue dans l'Est de Boreus. Prends une eau fraîche. Merci. C'est centré autour de l'eau. Mais contrairement à son arène, les dresseurs ici utilisent des types eau. D'accord. Amener des Pokémon électriques ou de plantes, ça fera des merveilles. Sois prudent. Les dresseurs dans cette arène sont des maîtres dans l'adaptation. Quand tu les combats, tous les Pokémon d'un combat deviendront le même type que leurs deux premières attaques. Donc je dois... Oula, sois prudent. Si tu passes trop de temps dans l'eau, ça peut te ramener à l'entrée. Tu devras trouver le chemin le plus rapide jusqu'à la prochaine plateforme. Oula! Attends. Mais ça marche pour moi aussi ou c'est que eux? Je me demande. Bon, le chemin le plus rapide jusqu'à la prochaine plateforme, ça veut dire que... D'accord. Je veux dire, c'était bien le chemin le plus rapide. Il n'y a pas de pêche dans ces eaux boueuses. Alors, pourquoi je pêche ici? Il est eau électrique. Et moi, je suis... Ah, ça marche pour nous aussi. D'accord. Alors, ça peut être intéressant... C'est intéressant cette manière de combattre. On prend le type des deux premières attaques. Ok. Allô Momola. Ok, tu deviens normal psy. Intéressant. Moi je suis donc Shadow et Confuse Ray. Ah ouais. Bon, on va quand même faire ça. Et on va attaquer avec ça, parce que si je fais Balombre, ça va pas faire grand chose vu qu'il est type normal. Mais c'est très intéressant. Ok, Bruxish. On va laisser. Il est au normal. Ok. On va faire comme ça. Très bien. Si je pouvais pêcher, je serais bien meilleur contre les autres dresseurs. Ok, on va soigner. On va pas. On est à côté. Hein. La ville est pas énorme. Donc on va pas hésiter à aller se soigner régulièrement. Mais attends, du coup, on va juste faire quelque chose. On va inverser. Seed Bomb. Et confuserait. Bon, peu importe, hein, au moins que je sois de type plante aussi pour que Seed Bomb fasse un peu plus de dégâts. Ce serait mieux. Ok. Là, ah mince. J'ai pas pris le chemin le plus court. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Et là, c'est le chemin le plus court. Ok. Là, c'est le chemin le plus court. Bonjour. Mes Inner Tubes, je ne sais pas. Ah, ma bouée, en gros, me garde à flot. Me font flotter grâce, enfin, avec les vagues. Oh! Du type spectre. Ah non, mais il parle de moi. Ah non, non, oui. Lui, il est fée normal. D'accord. On va mettre un vampigraine. Confuse Ray. Hein. Voilà. Seed Bomb. Au passage, merci. J'aurais pu faire ça peut-être avant. Il est au normal. Ah oui, en fait, c'était que nous qui étions spectre plante. Ok. Oui. Ok, là, on va se soigner par contre. Du coup, c'est déjà un peu plus loin. Ouais, on commence à être un peu en manque de LMME. Mais je les ai dépassés, les LMME. Est-ce que je suis à moins de 10 maintenant, non? Ouais, je suis à 9. C'est terrible. Ok, continuons. Non, non, non. C'est là le plus rapide. Voilà. Ensuite. Ah, mais d'accord. En fait, ça devient... Si on va trop loin, ça devient de plus en plus brumeux, boueux, hein, vous voyez, comme vous voulez.
Attends, est-ce que je peux passer derrière cet arbre? Non, je peux pas passer derrière cet arbre. Ok. Est-ce que je peux faire ça? Ouais. Ok. Mais alors là, je vois pas. Hein. Ah, on n'a pas le temps d'aller là. Très intéressant. Alors, je vois pas par contre où est-ce que je suis censé passer. Est-ce qu'il faut que je retourne là-bas? Oula. Ouais, j'ai peut-être un peu exagéré. Là, on n'a pas trop d'autres possibilités. Est-ce qu'on est d'accord que je ne peux pas non plus aller là? Hein? Il n'y a pas de possibilité. Mais alors, par où est-ce que je suis censé passer? Mince, je suis allé un tout petit peu trop. Voilà, du coup, ça s'est réinitialisé. Voilà, on se repose 2 secondes. Mais... Quoi? Ok. Non. Non, non. En fait, même quand on bouge sur la plateforme, le truc s'active. Mince. Oui, j'ai peut-être pas choisi le plus rapide, hein. Je suis bien d'accord. Là. Voilà. Et là, vraiment, je ne vois pas. Je ne vois pas du tout. J'imagine. Et si on va tout en haut là-bas? Non? Attendez, mais il y a bien un autre chemin. Voilà, je voulais remettre à zéro. Et non. Mais c'est pas possible. Il y a une plateforme que j'ai zappée? Il n'y en a pas 20 000 des plateformes. Hein. Ah, je sais pas. On va réfléchir, hein, bien sûr. Je sais pas. Je l'ai déjà dit, mais je n'ai vraiment aucune idée. Parce que là. Attends, je vais au moins observer. Ouais, là, c'est pas possible. Ouais, mais là, il y a trop peu de pas. Et c'est pour ça que, selon moi, il fallait... Mince, ah. Arrête d'accélérer, là, ça te fait pas gagner beaucoup de temps en plus. Au contraire, ça t'en fait perdre. Là, genre juste au-dessus de l'arbre. Est-ce que pile au-dessus de l'arbre? Monsieur là sur le côté, non. Ah non, j'avais pas le temps d'y parvenir. Attends, attends, attends. Est-ce qu'il y a d'autres... Mais non, non, pas particulièrement. Là, je suis vraiment à court d'idées. Hein. Est-ce que si on parle à ces champignons... Tu as pas un petit conseil à me donner? Ne pas voyager trop loin dans l'eau. Ou alors tu seras, je sais pas quoi, comme ces poissons. Ok. Voilà, on remet ça à zéro. Ah. Bon. Retournons là. Allons là-bas, hein, peut-être. Est-ce que là, on a le temps? Oui. Oui, on a le temps. Alors, je sais pas pourquoi c'est passé cette fois-ci. Est-ce que tu as remarqué? La distance que tu peux voyager entre chaque plateforme varie. Bah oui, du coup, je le remarque maintenant. Très bien. Il est ténèbres haut. On va directement faire 6. Bon, bah du coup, je suis même pas allé me soigner. J'aurais pu en profiter. Hein. Ok, Héliolisque. Tu es au dragon. C'est très intéressant ça. On va mettre un petit vampigraine. Oh là, par contre, tu nous as fait mal. Site bombe, ok. Au dragon, du coup, on va mettre Pictures, Ice Hammer. Oh, oh, bah ça a mis KO quand même, très bien. Héliolisque, Ice Hammer, c'est bon, on résiste et on met KO, très bien. Parfois, tu peux voyager beaucoup alors que avec d'autres, non. Ok, on va aller se soigner un petit coup.
Je suis désolé, on a perdu 2-3 minutes. J'avais pas tenté. J'avais pas compris qu'il y avait ce système de temps différent entre certaines plateformes. Du coup, au moins, on voit où est-ce qu'il faut passer. Donc, on parvient ensuite à celle-ci. Et là, ça se fait lentement. Là, on va pas avoir bien le choix. J'espère que ça se fait pas trop rapidement. C'est bon. Est-ce que tu es sûr que tu as atterri au bon endroit? Oui. Je pense que oui. Hein, pour être tout à fait honnête avec toi, je pense que oui. Ok. Il est Flying Dark. Donc ça c'est bien. Alors on va mettre Raptor. Dark et Rock, je suis. Alors, ça tombe bien, c'est mon type. On va mettre Mega Evolution et puis Rock Slide du coup. Ça fait bizarre de se dire qu'on fait Rock Slide super efficace contre un Simipour. C'est terrible. Ok, Goodra. Goodra, on va mettre Pictures. Je sais pas s'il sera. Ah, il sera Ice. Ah non, c'est moi qui suis Ice, ces combats. Là, il est Spectre haut. On va. Bah non. Non, c'est Dragon haut, pardon. On va faire Power Up Hit. Ouais, ça m'augmente l'attaque. On va faire Dizzy Punch. Ouais. Ok, on refait Dizzy Punch. J'aurais aimé le rendre confus, mais apparemment ça veut pas. Attends, t'es Dragon machin chose. Ah, mais non, mais si t'étais Dragon haut, pourquoi? Et ça fait quoi? Glace haut, ça fait rien de spécial? Bon. On t'a mis KO, c'est tout ce qui compte. Brion, je ne sais plus qui tu es. Ah, tu es celui-là. Metal Claw. Ok. Et Piufan pour terminer. Alors, du coup, je suis. Oh, Fée Ténèbres. Ça, c'est pas mal comme double type, non? Allez, Playroth. Très bien. Puisque tu m'as combattu, bon. On va repartir, on va se soigner. Mais ça peut. Oh, c'est incroyable. Franchement, cette manière de combattre, elle est dingue. Pour moi, elle est folle. Pour moi et pour vous, peut-être aussi. Donnez-moi vos avis sur cette manière de combattre, mais je la trouve très originale. Hein, j'avais jamais pensé à l'idée. C'est une très bonne idée. Ok. Oh là! Tu accélères, hein, tu es un imbécile. Oh, t'as pas besoin d'accélérer ici, en plus, tu sais bien que si tu retournes au début, ça te fait perdre plus de temps que si tu accélérais pas. Donc, réfléchis un petit peu. Ok. Tranquillement. Où est-ce qu'on va aller? On va aller sur celle-ci. Attends, il y avait là quelque chose. J'avais pas vu. Ah, mince. Mince, mince, mince. C'était pas là. Est-ce que. Alors, est-ce qu'on a le temps de l'atteindre? Je pense pas. Ah! Peut-être que si on avait été tout droit, ben non, ça aurait fait. Parce que pour être pile au bon endroit, on aurait dû décaler à droite un petit peu plus. Non, on va faire comme ça. Ah! Ah mince! Non, on va repartir du coup un peu plus sur la droite. Hein. On va se remettre ici. On va repartir par là. Là, c'est en dessous. C'est la zone qu'on voyait tout à l'heure. On est d'accord. Bon, et si on part de là? Oula, mais il y a beaucoup de temps. Ouais, il y avait beaucoup de temps, je me disais, ça se faisait très lentement. Ah non! Non, par contre, j'ai abusé, j'ai fait un détour par le Canada, là. C'est malheureux. Ok, bon, maintenant, on voit le chemin qu'il nous faut prendre. Là, il faut passer. Non! J'ai pas du tout choisi le chemin le plus rapide. Ok. Très bien, on tourne là. Ok. Tranquillement. Tranquillement. Pas du tout. Je sais ce qui a pas marché. Je sais ce qui a pas marché. C'est qu'il faut qu'on. Mince, non, non. Il faut que nous fassions ici. Et que, comme on a commencé à marcher sur la plateforme, ça fait déjà du temps de gâcher. Voilà, on monte là. Et c'est bon. Ça passe. Là, il faut être. Ouais. Comme ça. Comme ça. Ok. Et puis là, on n'a plus qu'à passer ici, en fait. Ok. Bon.
Est-ce que j'ai besoin de... Ah non, j'ai pas besoin de me re-soigner. On va laisser Hero devant. Est-ce que tu continues avec cette stipulation? C'était sympa. Je vois que tu as passé le challenge des vagues. Mon nom est Tessie. Vivre ici dans ce marécage m'a appris que moi et mes Pokémon... Enfin, m'a appris à mes Pokémon et moi beaucoup de choses. L'art de l'adaptation. Entre autres. Tous mes Pokémon ont maîtrisé la capacité de changer leur type pour les faire matcher avec leurs deux premières attaques. Pendant que tu me... Ben voilà, tant que tu me combattras, tes Pokémon feront la même chose. Mais je pense que tu le sais déjà. Oh, on dirait qu'on va combattre dans la pluie aussi. I Recon. Pourquoi il dit tout le temps I Recon? Je sais pas ce que ça veut dire, I Recon. Ok, 5 Pokémon. Toxapex. Tu as quel type? Tu as quel type? Il pleut. D'accord. J'ai le type plante. Ok, il a poison ténèbres. Donc, on va faire un petit vampigraine. Knock off. On va changer pour Raptor. Raptor qui a du coup Roche ténèbres. Ça me va très bien. On enlève. Oh! Ça, par contre, c'est pas drôle. On va faire séisme. Il a pas le type eau, donc ça va être. Ça va faire bien mal, je pense. Je pense que ça peut le mettre KO. Peut-être. Non, c'est vrai que comme on n'est pas de type sol, ah, peut-être qu'il faudrait que je le mette de type sol, ce serait. J'aurais dû réfléchir en fait. Parce que le type roche, on l'utilise pas. Est-ce que je peux changer en cours de combat? Normalement, on peut changer en cours de combat. Mais est-ce que ça va faire le changement de type? Ça, c'est intéressant à vérifier. Ok. Alors. Avec Rock Slide. Est-ce que je suis de type sol maintenant? Ou pas? Bon, on va faire Machouille. Mais je suis pas sûr qu'on devienne de type sol. Pourtant, il y a la tempête sable avec. Ouais, non, ça a été dit au début du combat, on est Roche Ténèbres. Mais c'est bon à savoir. J'aurais dû y réfléchir avant. Ok, si je le remets, je pense qu'il sera de type sol par contre. Si je l'enlève et que je le remets. Alors, Seismitoad. On va remettre Hero. J'espère qu'il garde son type au sol, ça serait top. Il est. Donc ça c'est moi, je suis Spectre Plante. Ah oui c'est vrai que. Et lui il est toujours le bon type. On va lancer des seeds bombes direct. Hein. Muddy Water. Qu'est-ce qui se passe? Ah, la Water Gem. Non, survie? Oui, ok. Bon, je pense qu'on peut lui faire mal. Peut-être le mettre KO même. Oui, c'est bon. Hiro, je ne sais pas si tu vas survivre à ce combat avec ton poison, mais tu nous auras bien aidé. Ok, la pluie continue. Ah, et tu survis, bien joué. Et je ramasse la Water Gem. Très bien. Armaldo. Armaldo. On va mettre Pufan. Armaldo, il pourra devenir type quoi? Non, on va mettre Raptor. Non, mais pile au moment où tu vas me dire où j'ai besoin de roche, je vais plus être de type roche. Je vais être de type sol. Armaldo. Il est. Donc ça c'est moi, je suis donc Dark Ground maintenant. Ok? Et toi tu es quoi, Armaldo? J'aimerais le savoir. Tu es Bugwater. D'accord. Bugwater, bah du coup ça fait pas trop nos affaires. Bah oui, mais maintenant c'est le Rock Slide qui m'intéresse, quoi, c'est un peu dommage. Bon, on va faire ça va faire quand même des dégâts. Ouais, pas tant. Hein. Bon, il a été apeuré. Ça, c'est plutôt intéressant. On va continuer avec Rock Slide. Bulldoze, ça devrait aller. Puisqu'on n'est pas de type roche, du coup. Ok, encore Rock Slide. Ok, coup critique, très bien. Rock Slide encore, du coup. Oh, il est type insecte, et du coup, ça fait mal. Alors, il est insecte haut. Du coup, Pouyoufan. Je vais lui faire un body slam. Ok, j'ai attaque qui augmente. Body slam en. Quoi? J'ai pas compris. Je sais pas comment il m'a mis KO. On va faire Dizzy Punch. Ah, il est toujours pas KO. Ah, mais il m'a fait X-Scissor. Il veut pas arrêter. Slash. Parce que voilà, j'ai enfin réussi à le mettre KO, mais il en reste un. Kingdra. Tu es quel type? Dragon haut. Hein, comme à l'accoutumée, j'ai envie de dire. Des rappels, oui, on va rappeler un dragon haut, on va appeler Pufan. On va appeler Pufan. Et je sais pas ce qu'il va faire contre mon Pufan. Mais il risque d'être déjà un peu plus embêté. On va le soigner, Pufan, avec des hyper potions. Et j'ai encore Hero au cas où. Ok, snapshot, ça fait mal. Ça fait très mal, je ne sais pas de quel type est ce truc. Ce qui va se passer.
c'est que je vais soigner lui. Ouais, je vais soigner lui. Il faut qu'il soit KO en fait. Pour que je mette rappel sur je ne sais pas qui. Ah, Pufans, ça peut être pas mal pourtant. Ok, petit Vampigraine. Laser focus, c'est bon, on n'a plus placé notre Vampigraine, donc c'est bon. Un petit Confuse Ray, peut-être? Non. Pas de Confuse Ray. Et ben maintenant, il faut attendre. on va rappeler tout le monde à Tanker, on va rappeler. On va rappeler. Faut que j'utilise des Max Rappel. Parce que c'est mieux. Snipeshot. Mais ça fait mal cette attaque. C'est quoi cette attaque? C'est un truc de fou. Mais la Vampigraine, par contre, fait pas effet. J'ai envie de dire. Confuse Ray. Oh, il l'a retiré. Ah, il est de quel type? Il est roche. Ténèbres. Bah, j'attaque. Oh! Oh! Ok. Ok, site bombe. Oui, c'est bon, il se prend des dégâts. Ok, il est sorti de sa confusion, on a perdu. C'est dommage. C'est dommage. Ce qu'il va falloir faire, c'est être un plus intelligent. Non, je sais pas. Oh non, il faut refaire tout le puzzle. Oh non. Oh non. Non, on va retourner jusqu'à là-bas. Je pense qu'on va sauvegarder après. J'ai pas envie de refaire tout le puzzle à chaque fois. Non, c'est pas du tout là-bas qu'il faut aller. Tu le sais bien. Voilà. Comme ça. Attends. Comme ça. Comme ça, comme ça. Ensuite. Tranquillement. C'est bon, on est passé. Et du coup, maintenant, on le fait du premier coup parce qu'on est trop fort. Hein, on va sauvegarder. Alors, il avait qui en premier? Il avait l'autre, là, le haut poison. On va mettre Raptor devant. Et on est parti. Je vois que tu as passé. Bon, on va pas reparler, on va pas refaire son dialogue. Voilà, il a lui. Le même type, hein. Il est poison ténèbres. On va méga évoluer et on va directement faire un séisme. Parce que moi, je suis de type sol. Je pense qu'un séisme d'un méga tir nocif de type sol, ça va le faire, non? Quand même. Ça paraît très logique que ça le mette KO du premier coup. Ou alors qu'il a une très bonne défense en face et je suis pas au courant, mais. Non, pas KO, hein, pas KO, pas KO. Toxispikes, alors ça, c'est un peu la pire attaque en fait qu'il met. C'est vraiment ce dont il faudrait vraiment se débarrasser. Ce qu'on va faire, on va essayer de. On va rester avec Raptor. On va se booster un max. Oh, purée. Voilà. Je me booste un max Iron Defense. Et là, on va attaquer. On va essayer de le laisser. Seismitoad. Tu es. Ouais, tu gardes ce type par contre. Machouille. Ah bah oui, par contre, c'est super efficace et spécial. Ah, c'était nul comme action. Bon, on va vite se soigner. Et les antidotes, j'en ai pas masse, hein, par contre, je crois. Ah, c'est tout en. C'est long. C'est long, il y a trop de choses dans ce sac. J'en peux plus vraiment. Je l'ai en horreur, ce sac. Ah oui, Steel Rock maintenant. Hein, super. Voilà, t'es KO. Armaldo. Tu es type O. On va faire ça. Voici te rendre confus. Voilà. Moi, je vais me soigner. Confuse Ray. Ouais. On va attaquer avec Seed Bomb. Ah, il veut pas. Il veut pas être confus. Hein. Il veut vraiment pas être confus. Seed Bomb. Ok, enfin, il voulait être confus. Merci. Gyarados. Gyarados, Gyarados, on va. Il est. Sol. Dark. On va lui mettre une petite. Petite Vampigraine. Crunch. Tant pis, hein, j'ai envie de te dire. Il est donc. Sol. Ténèbres. On peut peut-être mettre. Pictures. Ok, bon, par contre. J'ai quoi comme baie? Baie Pécha. Très bien. Tout ça pour ça. Power up hit. Ouais, j'attaque pas en premier. Oh, j'ai pu quand même lui faire une attaque. Ça c'est intéressant. On va essayer de gagner un petit peu de temps avec les hyper potions, hein, qui se blesse un petit peu plus. Ok.
Pourquoi pas, power-up hit? Ok, c'est pas grave, ça nous augmente l'attaque, donc on dit oui. Cascade, on résiste, très bien, et on met KO le méga Gyarados, très bien. Kingdra. Kingdra avec son snipe shot là. Nous fatigue. Les dragons, machin chose. Ice Hammer. Ce serait quand même mieux que Dizzy Punch, non? On va tenter Snipe Shot, ah, c'est le mec. Mais surtout que c'est même pas super efficace, c'est jamais super efficace, c'est ça qui est terrible. On va l'hypnotiser. Merci. Hypnotiser, ça veut dire que. On va faire Play Wrath, parce que je peux pas me soigner du poison. Reste endormi, merci. Et Play Wrath, très bien. Merci. Et on a gagné. Très bien. Bon, bah, ça s'est bien passé, ce deuxième essai. C'est rare, en fait. Soit on gagne du premier coup, soit on gagne après 20 combats, ou alors après avoir changé le niveau de difficulté du jeu. Et là, on a réussi du deuxième essai. D'accord. C'est intéressant. C'était un des combats les plus sympas que j'ai jamais eu. Ok. Ouais, tu m'as walk away. Pour cette victoire, tu mérites le badge Swamp. Ah, petit nénuphar. C'est sympa. C'est plutôt joli. Merci beaucoup. Ça te donne, enfin, au dresseur, la possibilité de maîtriser n'importe quel Pokémon jusqu'au niveau 90. Ça te garantit aussi la possibilité à tes Pokémon d'escalader ces cascades. En parlant de... Ah, c'est lui qui nous donne cascade. Très bien. Voici la CS Cascade. C'est une attaque puissante qui permet à tes Pokémon d'escalader les cascades dont j'ai parlé auparavant. Ok. Bon, et ben... Ah, et ça marche. Il n'y a plus les vagues. Oh, je ne l'ai pas vu celui-là. 37% s'approche. Alors sûrement, je me demande s'il y en a 100 piles dans toute la région, ou alors s'il y en a plus que 100 et suffit de les rassembler. Je me pose la question. Ok. Bon, on va continuer un petit peu. Bon, avec tous ces combats-là, je vais blablater quelques secondes histoire de faire quelques pas supplémentaires pour l'œuf. Il nous faut donc nous rendre au Crystal Peak. On va de ce pas voir le chemin qui nous permet bien sûr d'accéder au Crystal Peak. Et c'est un tas de morts. D'accord. Tas de morve, un nom de chanson. Qu'est-ce que ça peut être? Alors j'ai une chanson qui me vient. En fait, c'est un détritus. Et souvent on dit a piece of trash pour parler des détritus. Et j'ai une chanson qui s'appelle Pieces de Sum 41, pour ceux qui connaissent peut-être. Alors il est quel type? À niveau 1 par contre. Il est Poison Dark. Non, bah non, du coup. Si j'ai pas accepté que l'autre nous rejoigne parce qu'il était dark, feu, j'ai pas accepté que tu nous rejoignes, hein, forcément. Move. On va prendre lui quand même en attendant. Il a vol au moins. C'est déjà ça. Voilà. Bon. C'est la vie. C'est la vie. Du coup, il faut qu'on passe par où? Pour. Ouais, il faut qu'on monte sur les Kutzbog. Et bon, on est parti. On est parti, Kutzbog. Est-ce que c'est encore une des scientifiques de la société scientifique? Hey Dresseur, si tu acquiers un Dexnav, est-ce que tu pourrais revenir et venir me parler? J'ai une tâche qui peut être accomplie seulement par un Dresseur qui possède un Dexnav. D'accord. Drôle de mission. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Trainer Tips. Bah, je l'ai pas lu son Trainer Tips, du coup, je suis parti. Appuie A pour escalader à l'échelle. Oui. Ok. Ok, très bien. C'est très amusant. Et A pour descendre de l'échelle. Ok, c'était fort. C'était vraiment le fun. On est reparti. On va mettre Pictures devant. Et on est parti. Ce marécage est un être vivant avec un esprit puissant. D'accord. Ice Hammer. Au revoir. Ensuite, Why Not? On va mettre lui. Comme ça, déjà le prescience, on ne pourra pas se le recevoir. Et puis Machouille. Ouais. Merci, l'esprit du marécage est avec toi. Ah bon? D'accord. On peut voir les Pokémon qu'on trouve ici? Il peut y en avoir des intéressants. Vortante? Non. Non, ça m'intéresse pas. C'est sympa de voir qu'il y a des Vortantes ici, en revanche. Hein. On n'avait pas forcément vu depuis le début du jeu. Oh, je vois une petite cellule qui se balade. Il faudra qu'on l'atteigne. Ils ont l'air d'être grands, ces marécages, hein, juste. Bonjour. Je teste une nouvelle méthode de pêche. Bah, moi, et je te montrerai ma technique. D'accord. Alors, on va faire Power Up Hit. Dizzy Punch. Voilà, il s'est augmenté ses stats à fond, mais il n'a pas eu le temps d'attaquer, ça c'est un peu dommage. Raptor. Du coup, je suis redevenu de type. On est d'accord, hein, de type roche ténèbres. On est d'accord. Ouais, parce que sinon, la charge électrique qui m'a fait.
n'aurait pas pu marcher si j'étais encore de type sol. Héliopthyle. Ah oh bah, je t'ai fait un séisme, mon petit. Voilà. J'ai pêché avec un bug zapper. Les Pokémon sont. Oh, il a électrocuté les Pokémon et du coup ils sont ressortis à la surface. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Un Pokémon poison combat, ça serait pas mal. Mais j'ai déjà mon Pokémon combat de cœur et je le changerai pas. Non, je le changerai pas. Un pique-nique dans un marécage? Mais pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait faire ça? Allez, Ice Hammer. Merci. Delcati, on va laisser. Power Up Hit. Ok, Power Up Hit. Oh, laisse-moi attaquer. Ok, Jocelyne, je suis ici pour entraîner mes Pokémon. D'accord. On va se soigner. On va laisser Pictures un petit peu devant. J'aime bien le mettre devant, le voir combattre, ce Pokémon. Ok. Bonjour. J'essaie de rendre cet endroit plus joli avec des fleurs. C'est une très bonne idée. C'est fort, hein, ce Ice Hammer, quand même. Même si ça le rend moins rapide. Ice Hammer encore, du coup. Ok, bien joué. Bien joué, bien joué. Si on jugeait ce combat avec des points de beauté, j'aurais gagné. C'est vraiment une phrase un peu de perdant, c'est malheureux. Ok. Par ici. Est-ce que c'est pas par là qu'il y aurait la cellule? Ce marécage est l'endroit parfait pour faire tendre des embuscades. D'accord. D'accord. On va me mettre help. Hein? Extrasenseur. Ok. Ah, dommage. Extrasenseur. Tu es venu, mais tu resteras pas longtemps. Ah, quoique. On va refaire un extrasenseur. Oh, KO. Il n'aura pas survécu bien longtemps. Qu'est-ce qu'on va mettre contre lui? Shadow Ball. Ouais, pas facile de savoir quoi faire. C'est bon, on l'a mis KO. Carnivine. Ok, on va mettre Tanker. Icicle Spear. Très bien. Bien joué, Tanker. Et la prochaine fois, je sais pas quoi. Il se passera quelque chose de dingue, en tout cas. Ok, je voudrais mettre une limonade. Limonade, tu es là. À ce Pokémon-là. Et puis on continue. Hein. Bon, Ortide. Donc, très bien. Bonjour, Ortide. Ok, on récupère cette cellule. Alors, ici, il y a quelque chose ou pas? Non. Alors, pourquoi cette zone? Pourquoi ce petit lac? Peut-être est-ce pour nous induire en erreur? Oh, un Big Mushroom. Très bien. Alors, j'ai pas parlé à tous les champignons, mais je me suis dit que ça marcherait pas à chaque fois. Ok. Donc là, nous, on venait du haut. On va partir maintenant sur la droite. Ok, je pense qu'on a fait le tour des Pokémon sauvages. Et là, si on surfe ici, que se passe-t-il? Ok. Ok. Est-ce qu'il nous a déjà vu? Non. Ce marécage est surveillé par les Pokémon de Tessie. Oh! Stylé! J'aime bien ce Pokémon, je trouve qu'il est sympa. Hein. Ok, par contre, ça commence à craindre un petit peu. Dizzy Punch, il faut qu'on le rende confus. Du coup, Ice Hammer, pour lui faire un petit peu mal. Dizzy Punch, voilà. Golisopod, on va vite mettre lui. Et on va faire un petit Rock Slide. Oh! Incroyable ce qui vient de se passer, séisme. Ok. Oh, il nous a mis KO. C'est malheureux. On va mettre Hero. Seed Bomb. Voilà. Golisopod. Tu vas arrêter de changer de Pokémon à un moment donné. Hein. On refait. Bah, c'est bon. Avec la tempête sable, il est KO. Tauros. Pictures. Je suis pas sûr que tu aies le temps de bien attaquer, mais ouais, Double Edge. Seed Bomb. Ok. Re-Seed Bomb. Allez, Hero, tu es notre Hero, justement. Ok, c'est une bonne chose que je ne suis pas le seul à surveiller ce marécage. Ouais, c'est une très bonne chose. Ok, fuir. On en est où là? Parce que je suis un peu perdu, je vous avoue. On en est où dans ce marécage? Un repousse max. Ok, on va repartir se soigner. Parce que là, je pourrais utiliser plein de rappels, plein de trucs, mais pas sûr que ça vaille le coup. On n'est pas si loin de la sortie. Vous voyez, en moins de 15 secondes, on est sorti. Et là, on va mettre un repousse, on avancera un peu plus vite déjà. Donc, on va le mettre de ce pas. Où est-ce qu'ils sont ces repousses? Non, ils sont un peu plus haut. Ils sont un tout petit peu plus haut, si je dis pas de bêtises. Un max repousse, très bien. On va partir par là. Ah, mais là, c'est. On y était tout à l'heure, en fait. Ouais, tout se rejoint. C'est dingue. Là, j'ai plusieurs possibilités. On va aller, imaginons là-bas. Eevee Boots. D'accord.
Ok, ça pourrait être pas mal d'essayer d'obtenir. Bonjour. Juste un peu plus loin, il y a l'entrée du Crystal Peak. Ok, Power Up Hit. On nous a fait un séisme quand même, le petit Pokémon. Kangashkan, on laisse. Power Up Hit. Ok, ça l'a pas mis KO encore. Power Up Hit. Très bien. Merci beaucoup. Tout le monde demande de niveau. C'est beau. Allez, va droit jusqu'au Crystal Peak. Ok? Par là-bas, le Crystal Peak. Alors, je vais juste aller récupérer. Il y avait une Pokéball ici. King's Rock. Ok. Et c'est là, du coup? Crystal Peak? Oh, j'ai pas de Pokémon qui peuvent apprendre de cascade avec moi. Ça, c'est malheureux. Surf, j'avais. Bah, écoute, on va sortir d'ici. Du coup, on n'a pas bien le choix. Alors, oh! Alors, en voulant sortir, du coup, je suis tombé sur cette Max Potion. Très bien. Alors, ça, est-ce que j'ai un Pokémon? Mince. Est-ce que j'ai un Pokémon qui peut apprendre cascade? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Non, mais je suis un imbécile, je viens de me faire avoir deux fois de suite par le même truc. On va passer par là plutôt, au lieu de faire ça à l'infini. Ok. Oh non, j'avais pas vu lui. Pour Rapid. Ok, tu es KO. Raptor, viens par là. Voilà, un petit séisme. Ah, il réussit ses attaques quand même. Tangrowth. On va mettre ton cœur. Icicle Spear. Ouais, ça fait quand même quelques dégâts. Alors, si ça le fait 5 fois, ça fait des dégâts. Merci. Wobbuffet. On va changer. On va mettre Raptor. Je vais t'attaquer un peu importe ce que tu me fais en retour. Bah, je t'ai fait coup critique de toute façon. Mais... J'allais t'attaquer dans tous les cas. Ok. Rock Slide, s'il te plaît. Merci bien. Ok. Au revoir. On est où? Ah, on l'avait pas encore combattu celui-là. On va se soigner et on va voir les Pokémon. Je ne sais pas si on peut pêcher dans cette zone, dans ces eaux marécageuses. Alors. Ah non, j'ai rien qui pourra apprendre cascade. Ah, Ryama? Peut-être? Fais voir. Voyons voir ça, mais ça m'étonnerait quand même beaucoup. Ah, Ryama, peux-tu apprendre cascade? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Non, du coup, bah, ce qu'il faut, c'est qu'on attrape un Pokémon, hein, tout simplement. Ah, si j'avais pris l'autre type O. Est-ce qu'on peut pêcher ici? Telle est la bonne question. Alors, on a une super rod en plus. Alors, super rod. Mince, je suis allé un peu vite. Allez, croisons les doigts. Je vais pas accélérer parce que sinon on va le louper, c'est sûr. Not even a nibble. Bah si, moi je veux un nibble. Hein. Allez. Bon, ça veut dire même pas un grain de poussière, un truc comme ça, genre. Oui, alors, ce sera qui notre Pokémon? Oui, bah lui, il peut apprendre. J'ai peur de le mettre KO si je fais Dizzy Punch. On va plutôt faire avec Hero. Vampigraine. Vampigraine et Confuse Ray. Voilà. Ça va se faire petit à petit. Puis des Pokéballs. Netball. Ça va le faire, Netball. Non? Fais voir ça. 1, 2, 3. Ouais, c'est fait, bien sûr. Merci. Alors. Oui, on va donner un nom d'une attaque. Alors, comme c'est un Pokémon O, là, j'ai directement une chanson en un seul mot qui m'est venue en tête. C'est une chanson de Mika, pour ceux qui, je pense que vous connaissez, qui s'appelle Underwater. Du coup, on va l'appeler Underwater. C'est stylé comme nom, non? Underwater, en vrai, pour un Pokémon. C'est sympa. Hein, ça rentre tout pile en plus. Ok? Alors lui, si tu me dis que t'apprends pas cascade, par contre, je te dis non. Bien sûr qu'il apprend cascade. Bien sûr, bien sûr. Bon. Alors par contre, je vous avoue que j'aurais bien aimé garder mon... Non, on n'aura pas besoin de surf. Non, 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 on n'aura pas besoin de surf. De vol, je veux dire, pardon. Continuons. Hein, on garde les repousses. Du coup, partons par là. Ouais, partons par là. Et... Allons ici, voilà. Hein. Je me souvenais du chemin puisque je me suis dit, quand on est revenu, ah tiens, c'était le chemin près de la scientifique. Et du coup, je me rappelais de cette dresseuse qu'on n'avait pas encore fait alors qu'on était passé plusieurs fois par la scientifique. Bref, et du coup, je me rappelais du coup, il fallait passer par là. Bonjour serpent. Rainbow, qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Je t'attendais. Ce gars, Looker et Jax sont partis devant. Ils ont dit qu'ils rejoindraient le combat très vite. C'est pour ça que j'ai décidé d'attendre ici, que tu te montres, pour que nous escaladions cette montagne ensemble.     װ     װ││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 
C'est pas sécurisé d'escalader tout seul avec tout le bazar avec ces Light of Rune. Donc est-ce que tu es prêt à oui, à climb? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Allez, faisons notre chemin jusqu'au sommet le plus vite possible. Je vais garder tes Pokémon soignés. Oui, seuls les trois Pokémon. Et il peut aussi utiliser Surf et Reclimb. Ok? Alors je suis entré, mais. Oh, ça a l'air joli. On va pas. Il s'était caché derrière moi. Il m'a fait une petite blague, il m'a fait les oreilles de lapin. On va sauvegarder, on va se laisser ici pour cet épisode. Épisode combien? Épisode 21, je crois. Je sais plus. Je crois que c'est l'épisode 21. Bref. Merci à tous. On se retrouve très vite pour la suite. Là, pour ces périodes un peu entre le Noël et le 31, c'est possible qu'il n'y ait pas des vidéos tous les jours. Puisque je ne serai plus chez moi. Mais je vous remercie en tout cas d'être fidèle si vous l'êtes. Bon, même si vous regardez un épisode par-ci par-là, je vous remercie quand même. N'hésitez pas à donner vos avis. Et puis, ciao. À bientôt et pour de nouvelles aventures.